Bonjour à tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je voudrais vous montrer comment réaliser les augmentations au crochet tunisien. Il y a plusieurs façons de le faire, mais moi je voudrais vous montrer les augmentations au crochet tunisien avec le jeté. Il y a deux jetés, le jeté simple que tout le monde connaît et le jeté inversé. Donc premièrement, le jeté normal, le jeté simple que tout le monde connaît. Donc sur le diagramme au crochet tunisien, c'est un symbole comme ça. Donc je fais la maïchinette, je fais le rang de base, le point de base, et maintenant, donc je n'ai pas encore fait, mais je vais le finir. Donc je vais faire le rang retour et je vais vous montrer comment on fait les augmentations. Donc je fais 1, 2, 2, 3, 4 mailles, je fais un jeté, je fais une maille tunisienne, je fais un jeté, et je continue mon point tunisien. Donc je fais le rond retour, comme d'habitude, la main à l'air la première, et après je ferme deux par deux. Donc là, j'ai mon jeté. Donc je n'oublie pas de fermer ce point. Là, c'est le point tunisien. Encore un autre jeté. Et je continue jusqu'au bout. Donc j'avais 4 mailles au début. Et maintenant, puisque j'ai augmenté d'une maille ici, donc je vais avoir 5. Donc je fais le rang aller. 1, 2, 3, 4. On n'oublie pas celle-là. C'est notre augmentation. Maintenant, je fais un jeté. Je fais la maille tunisienne, je fais un jeté, là c'était notre jeté, maintenant c'est une maille, il faut la faire, il ne faut pas l'oublier, donc je continue mon point tunisien jusqu'au bout. Donc on a fait deux augmentations. Maintenant le rang retour. N'oublie pas le jeté. Encore un autre. Encore un rang.
Donc notre jeté, notre augmentation. Maintenant, je fais un jeté, la maille au milieu, un autre jeté, notre augmentation. Le rang retour. L'augmentation. Une autre augmentation. Voilà, donc maintenant, on peut déjà voir ce que ça donne. Et là, je fais un échantillon avant. Voilà. Les augmentations. On peut faire reglant. En utilisant cette façon d'augmenter les mailles. Le jeté inversé est utilisé souvent dans les points tunisiens. Mais là, je vais vous montrer donc comment vous pouvez l'utiliser pour faire les augmentations. Donc là, je vais faire les augmentations avec le jeté inversé. Qu'est-ce que c'est un jeté inversé? Je vais vous montrer. Donc, je fais d'abord le point tunisien. Et pour faire le jeté inversé, normalement, quand on fait un jeté, on fait ça comme ça. Mais pour faire le jeté inversé, il faut tout simplement mettre le fil sur le crochet de cette façon-là. Tenir avec le doigt et puis continuer notre point tunisien. Donc je fais le rang en retour. Donc là, c'est mon jeté inversé. Donc, il faut bien le passer le fil. C'est de double. Et je fais mon rang retour jusqu'au bout. Donc je vais faire encore un. Donc les trois mailles tunisiennes. Et là, je fais le jeté inversé. Donc là, ça c'est
Le jeté inversé que je fais le rang précédent, là. Donc je fais la maille tunisienne. C'est notre augmentation. Et je continue mes mailles tunisiennes. Donc le rang au retour. Donc le jeté que je fais au rang aller. Notre augmentation et les mailles tunisiennes. Donc voilà je fais les augmentations avec un jeté inversé.